La Seine est en mer. Un radeau incliné sur des vagues porte un gréement de fortune. Une toile a été attachée au mât pour former une sorte de tente. Une vergue soutient une voile carrée. Au premier plan, plusieurs cadavres. Le premier repose sur des effets militaires. Le deuxième est retenu par un homme plus âgé et méditatif. Le troisième est à plat ventre. Le quatrième gît sur le dos, le haut du corps traînant dans l'eau. Plusieurs personnages sont assis au pied du mât. Au centre, trois de leurs compagnons se dressent vers un autre groupe d'hommes qui, eux, se sont hissés sur des tonneaux et font de grands gestes en agitant des chiffons. À l'extrême droite, un autre personnage tente lui aussi de se relever en se soustrayant au poids d'un noir peut-être déjà mort. Près du mât, quatre hommes debout. L'un d'entre eux montre le large, les trois autres regardent. À l'horizon, la haute voilure d'un navire. Un tableau. L'un des plus grands et des plus célèbres du musée du Louvre. Un titre, Le radeau de la Méduse. Un nom de peintre, Théodore Géricault. Les dates disent qu'il est mort dans sa 33e année. Début 1818, Théodore Géricault a 27 ans. Il possède un atelier à Paris, rue des Martyrs, non loin de celui d'Horace Vernet, que fréquentent nombre d'artistes libéraux de l'époque. Formé dans l'atelier de Guérin, Géricault s'est fait remarquer par son officier de chasseur à cheval. Puis par son cuirassier blessé, quittant le feu. Il est passionné par les chevaux. L'année précédente, il a effectué un séjour à Rome, où la course des chevaux libres lui a inspiré plusieurs études à l'huile. Mais il n'en tire pas de grandes compositions. Autre sujet de fascination, les faits divers brutaux, comme l'affaire Fualdès, le meurtre crapuleux d'un notable à Rodez. Il y consacre plusieurs dessins, mais encore une fois sans aboutir à une toile. Il s'attache alors à un autre fait divers qui déchaîne les passions politiques, le naufrage de la frégate La Méduse. Le peintre en a connaissance par les images populaires et surtout par le livre de deux survivants, Jean-Baptiste Henri Savigny et Alexandre Coréard. Géricault les rencontre et recueille leur histoire. En juin 1816, quatre navires français avaient quitté Rochefort. Mission, aller reprendre possession du Sénégal que le traité de Paris venait de restituer à la France. Commandant de la frégate La Méduse, Hugues Duroy de Chaumaret. Comme d'autres nobles émigrés pendant la Révolution,
Il a retrouvé sa fonction à la faveur de la Restauration, mais n'a pu naviguer depuis 25 ans. À bord ont aussi embarqué le futur gouverneur du Sénégal, ses fonctionnaires et deux compagnies de bataillons d'Afrique. Début juillet, la Méduse, plus rapide que les autres navires, se trouve au large de la Mauritanie. Son commandant, croyant avoir passé les hauts fonds du banc d'Arguin, fait naviguer au sud-sud-est pour gagner au plus vite Saint-Louis du Sénégal. Et ce, malgré les mises en garde de ses officiers. Le 2 juillet, la frégate s'échoue sur le fond sableux. Un grand radeau est construit pour soulager le navire de son matériel lourd. Après plusieurs jours de tentatives pour haler la Méduse, on décide l'évacuation. Les officiers, les matelots et le personnel de la colonie descendent dans les 6 canots de sauvetage. Le commandant les suit, abandonnant son navire alors qu'il reste encore des hommes à bord. Quelques marins et surtout les soldats sont contraints à descendre sur le radeau. Les embarcations vont tenter de le remorquer. Mais très vite, les câbles sont coupés. Les canots mettent à la voile et s'éloignent. Sur le radeau, lourd et ingouvernable, avec ses 20 mètres de long sur 7 de large, 147 personnes sont entassées. Géricault a enfin trouvé le sujet idéal pour un grand tableau moderne. Il restitue l'histoire du radeau en une quarantaine de dessins. Il y a d'abord, dès la deuxième nuit, la révolte. Sur le radeau, pas de vivres, seulement une barrique d'eau et plusieurs de vin. La mer est forte, les militaires affolés attaquent leur chef, s'emparent d'une barrique, se saoulent, cherchent à saborder le radeau. Les officiers massacrent les mutins à coups de sabre. 63 hommes sont tués. Certains deviennent fous. Cadavres, fous et blessés sont jetés à la mer. Géricault tente de raconter tout en une seule scène. Puis, dès le quatrième jour, on commence à découper des lambeaux de chair sur les cadavres et on les dévore. Révolte, crise de démence, liquidations sommaires vont se succéder ainsi pendant plusieurs jours. Enfin, c'est le sauvetage. Le 17 juillet, après 13 jours de lente dérive, l'un des autres navires de l'escadre, le brick Argus, reparti à la recherche des naufragés, vient les sauver. Il ne reste que 15 survivants. 5 mourront dans les jours qui suivent. Mais dans cet épisode, tout est déjà joué. Et le peintre préfère se concentrer sur l'instant juste précédent, celui où les naufragés découvrent le brick à l'horizon. Brève crise d'exaltation, certes, mais suivie d'un grand désespoir, car ils pensent qu'on ne les a pas aperçus. Le thème de l'homme agitant des chiffons apparaît. Apparaît aussi l'homme tenant dans ses bras un jeune homme mort. On les appellera plus tard le père et le fils. D'autres dessins inversent le sens du radeau et celui du vent. Une esquisse à l'huile précise la scène. Groupe du père et du fils, cadavre à plat ventre, homme au chiffon. Nouvelle étape, l'un des tonneaux devient le piédestal d'un homme qui, soutenu par un autre, se dresse au-dessus du groupe. Plusieurs dessins développent ce thème. Enfin, le peintre exécute une seconde esquisse à l'huile qu'il n'achève pas, car il semble avoir trouvé l'organisation de sa future toile. En juin 1818, Géricault loue un atelier beaucoup plus grand, Faubourg du Roule. Il y transporte une toile géante, 22 pieds sur 15, soit 7,10 mètres sur 4,91 mètres.
À partir de l'automne, il ne sort plus de l'atelier. Une seule obsession, le radeau. Le travail durera 9 mois. Le peintre fait poser les acteurs du drame, comme Coréard, devenu son ami. Un autre ami, Théodore Lebrun, pose pour le visage du père, auquel un modèle d'atelier prêtera son corps. Le tout jeune Eugène Delacroix et le personnage mort, à plat ventre, juste à côté. Un modèle noir bien connu, Joseph, pose pour les trois noirs du tableau. De plusieurs de ces personnages, Géricault peint aussi des portraits grandeur nature. En même temps, il se livre à une série d'études très particulières. Elles vont nourrir légendes et rumeurs sur ses goûts macabres. Désireux d'analyser les tonalités de la chair morte, Géricault emprunte des fragments de cadavres à l'hôpital Beaujon tout proche, bras, jambes, tête. Les visiteurs de l'atelier se plaignent de l'horrible puanteur. Ces toiles autonomes font l'admiration de Delacroix qui déclare « La peinture n'a pas toujours besoin d'un sujet ». Expression, position, ombrage sont étudiés à l'aide d'une nouvelle série d'une 60aine de dessins. L'homme qui cherche à se relever. L'homme assis la tête entre les mains. L'homme à genoux. Géricault reporte ses dessins sur sa grande toile. Sur le fond clair, la composition prend peu à peu l'aspect d'un grand groupe d'anatomie flottant dans l'espace. Il reste à composer le paysage marin. Un séjour au Havre permet au peintre de saisir les nuances du ciel et de la mer au soleil levant. Depuis le XVIIe siècle, le naufrage est un grand thème de la peinture de marine. Élément déchaîné, monde à l'envers, approche de la mort, horreur des derniers instants. La confiance dans la technique, la maîtrise de l'homme moderne sur la nature sont mises en échec. Le naufrage est une sorte de vanité à grande échelle. On peut y voir une répétition du déluge, de la fin du monde, du jugement dernier. Géricault se souvient de la tonalité noire du déluge de Poussin. Des violents contrepoints du déluge de Giraudet. Et de la chute désordonnée et désespérée des corps du jugement dernier de Michel-Ange. Les sculptures de Michel-Ange l'ont aussi sans doute inspiré. Mais ces réminiscences artistiques n'auraient-elles pas transformé le projet original? Les naufragés étaient squelettiques, hirsutes, en haillons, la peau de leurs membres brûlée par le soleil et rongée par l'eau de mer et état vif, rouge sang, purulente. Et autour de ces écorchés vifs, pendaient, accrochés aux étais, des lambeaux de chair humaine qui séchaient.
image que l'époque n'aurait sans doute pas supportée. Et pourtant, ne subsisterait-il pas quelques indices de cette horreur? Le cadavre de gauche, dont seul le thorax émerge des planches du radeau, semble tronçonné. Des débris rougeâtres sont présents ici ou là, mais ce sont des restes de tuniques militaires. Et des traces de sang se voient sur le pansement de l'homme âgé et sur sa blessure. Et puis les épisodes violents des jours précédents sont suggérés par quelques accessoires. La hache, abandonnée après la fin des combats. Les tonneaux de vin, sans doute responsables des crises de folie. Enfin, la croix de la Légion d'honneur, pendue au col du vétéran, prouve que l'histoire n'est pas intemporelle, que ces personnages sont bien des Français. Le drame est comme rappelé par les nombreuses lignes heurtées qui quadrillent toute la composition. Lignes figurées, réseaux entrecroisés de planches, d'espars, de vergues. Une poutre vient briser en biais ses rythmes. Oblique du mât, des haubans et de la vergue, courbe des tonneaux, grand drapé de la tente, courbe de la voile qui s'oppose à la découpe déchiquetée et menaçante de la vague. D'autres lignes sont plutôt suggérées. Le sens du vent qui gonfle la voile vers la gauche, la grande vague qui déferle en sens inverse. Celle de la pyramide humaine avec son axe ascendant de gauche à droite. Et Géricault, le pinceau à la main, reste surtout dessinateur. Le modelé se fait à l'aide de hachures. La toile ne manque pas de portraits vigoureux. Mais comme plusieurs personnages tournent le dos au spectateur, c'est aux mains que le peintre transfère toute l'expressivité. Tableau géant imaginé et peint pour le musée, le radeau de la Méduse, s'il vaut une médaille à son auteur au salon de 1819, n'est pas acheté par l'État. À l'invitation d'un entrepreneur de spectacle, le radeau est montré à l'Egyptian Hall de Londres, où il attire des foules considérables. Le tableau sera acquis par le musée du Louvre en 1824, au lendemain de la mort du peintre. À peine 30 ans plus tard, on juge le tableau ruiné. On croit que le peintre a abusé du bitume, un matériau qui ne cesse jamais, va toujours en s'assombrissant et finira par détruire, dit-on, la toile. Des zones entières semblent ruisseler. Tableau consacré à la mort, il serait lui-même rongé par une lèpre mortelle. Deux peintres en font alors une copie exacte pour garder le souvenir de l'œuvre. En fait, les analyses n'ont pas permis de déceler du bitume, infirmant ainsi la légende. Il semble que le peintre avait abusé, en particulier dans les ombres, d'une huile rendue très siccative par le blanc de plomb. À la longue, le plomb a donné une teinte bleu-noire et dans plusieurs zones, des réseaux de craquelures prématurées très marquées engendre des multitudes de petits reflets.
Des naufrages terribles, il y en avait des dizaines chaque année sur les mers du globe. Aucun n'a laissé un tel sillage de traces écrites. Premier récit de Savigny qui va déclencher de grands remous politiques. Interrogatoire des marins. Minute du conseil de guerre qui dégrade le commandant et le condamne à 3 ans de prison. Rôle d'équipage de la Méduse, tombeau de papier des disparus. Livre enfin. Savigny et Coréard ont été horrifiés d'avoir été abandonnés par des officiers de marine. Leur livre est donc d'abord un acte de vengeance. Et si le récit a une telle véhémence, c'est sans doute qu'il se nourrit de la secrète culpabilité de ses héros ambigus. Géricault sait bien, et le montre dans ses dessins, que les survivants sont ceux qui étaient armés et qui ont décidé sans pitié de la mort des mutins ou du cruel achèvement des blessés. L'horreur des supplices hante le peintre. En Angleterre, Géricault sera témoin d'une exécution publique et traduira en quelques traits de crayon la monstruosité placide du gibet et de ses exécuteurs. L'histoire du radeau condense ainsi plusieurs thèmes tragiques. Fausses illusions d'une expédition coloniale. Alors que l'esclavage vient d'être aboli, certains, au Sénégal, continuent à pratiquer le commerce des esclaves. Le thème reviendra plus tard chez Géricault, qui aura le projet d'une grande toile sur la traite des Noirs. Lâcheté meurtrière de la hiérarchie militaire qui abandonne les hommes de moindre importance à un destin funeste. Mutinerie, carnage, sélection des plus faibles, folie. La folie fascinera Géricault, qui fera peu après le radeau d'étonnants portraits de monomanes. Bestialité. Certains survivants se battent à mort pour quelques bribes de nourriture. Cannibalisme, enfin, comme ultime symbole de la sortie hors de l'humain. La mer très agitée va achever le radeau. Mais, miracle, elle semble s'ouvrir, se faire plus calme et même horizontale, dans une percée où, justement, se profile l'Argus. À cette trouée d'espérance, un seul est vraiment indifférent, l'homme âgé. Il tourne le dos à l'émotion des autres. Il est plongé dans une méditation au-delà de tout espoir. Il emprunte la position accablée de la mélancolie de Dürer. Il retient, mais pour peu de temps encore, le corps mort d'un tout jeune homme, formant ainsi une sorte de transposition moderne du groupe antique fameux, montrant Ménélas soutenant le cadavre de Patrocle. Père et fils, ou bien plus simplement figure de l'injustice de la mort qui frappe sans distinction de génération. Cette scène ne correspond à aucun épisode réel du naufrage. Dans le radeau, pas de femme. La seule présente à bord, une cantinière, une fois blessée, avait été jetée à l'eau comme bouche inutile. Géricault, dépassant sa minutieuse enquête documentaire, montre une assemblée d'hommes musclés aux membres entremêlés. Et la forte tonalité érotique de cette pyramide de gymnastes enlacés n'a pas manqué de susciter l'ironie des commentateurs. Au premier plan, d'ailleurs, le sexe est présent. Mais il est mort, ou voilé, comme pour dire que l'énigme n'est peut-être pas vraiment dans l'objet lui-même. Dans ses dessins inspirés de l'antique,
Le peintre montrait des scènes de rapt, de séduction, d'étreinte amoureuse. Chaque fois, la guerre et l'amour se mêlaient. Torsion et distorsion traduisaient la confusion et le combat furieux des sexes, fruit de la lecture des mythes anciens. D'ailleurs, Géricault a pu être stimulé par le nom même de Méduse, une des trois gorgones à la tête entourée de serpents et dont le regard était pétrifiant. Le radeau, lui aussi, est une sorte de monstre mythologique. Les naufragés l'avaient surnommé la machine. Ses poutres mal assemblées roulaient, s'enfonçaient sous l'eau, s'écartaient, cassaient les jambes, écrasaient les corps, les rejetaient aux requins. Machine infernale, broyeuse, castratrice, dévoreuse d'hommes, invention diabolique qui annonce la machine à décerveler de Jarry ou la machine de la colonie pénitentiaire de Kafka. Et le tableau est à son tour une grande machine qui recycle des mythes, des souffrances, des révoltes. Elle vient déranger l'ordre classique du musée. Elle force le visiteur à s'arrêter, à réfléchir, à tenter de comprendre l'histoire cachée. Ce pur fantasme que Géricault a mis en scène n'en finit pas de susciter des lectures. La fascination du peintre pour la mort, ses relations incestueuses avec sa jeune tante, sa paternité cachée, sa fin tragique et comme désirée. Tout a été invoqué pour donner un sens à ce tableau. Mais l'idée la plus simple reste sans doute la plus vraie. À partir d'une histoire terrible, somme de toutes les transgressions possibles, le peintre a tenté d'édifier au sein du musée moderne un monument d'excès, comme l'avaient fait au cœur de l'église des peintres comme Caravage ou Michel-Ange.